Eh bien c'est donc c'est Tudani, j'espère enfin moi en tout cas, et on se retrouve enfin pour l'épisode 5 de mon aventure suivie sur Minecraft. On se retrouve pour l'épisode 5 de mon guide de survie à Minecraft. Je viens juste de dormir, donc alors dans cet épisode on va faire l'élevage, allez, pourquoi pas. On va construire des enclos et tout. Je tiens à remercier tous mes abonnés parce qu'on est déjà plus de 85 abonnés, merci à tous. Ça fait vraiment plaisir, hein. Je tiens à remercier Sébastien, qui m'a enlevé la limite des 15 minutes. Merci à toi. J'avais posté ma first intro, ma première introduction que j'ai faite avec le logiciel Cinema 4D, Adobe After Effects, etc. Et j'étais agréablement surpris que ça vous ait plu, plus de 14 j'aime et pas mal de commentaires positifs. Bah, je suis bien content que ça vous ait plu. Donc, on va commencer cette agriculture. Donc maintenant, je pourrais vous proposer des vidéos de 20 minutes. Hein. 20-25 minutes, pourquoi pas. Cet épisode, il va durer 20 minutes. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Attends, j'ai plus de prise de tête. Oh mince, il faut pas que je fasse plus de 15 minutes, sinon je dois recommencer la vidéo, etc. Maintenant, je peux prendre mon temps pour faire cette vidéo. Donc, alors là, on a la jungle. Donc voilà, alors là on a un géant, pas un si géant arbre que ça. Donc là c'est vraiment un épisode détente, hein. Merci à tous, nous sommes déjà 85 abonnés, donc bientôt les 100 abonnés, j'ai envie de vous dire, hein. Donc ce que je vais bientôt préparer pour les 100 abonnés, c'est l'ouverture de mon serveur de Minecraft. Dites-moi, ce serait une bonne idée d'ouvrir un serveur Minecraft. Ensuite, un open lobby sur Call of Duty Modern Warfare 2. Un open lobby sur MW2, ça veut dire que je vais inviter tous mes abonnés par exemple samedi à 16h pour qu'on joue ensemble. Donc voilà, et aussi un live sur MW3 ou Code 4. Je ferai tout ça je pense pour les 100 abonnés. Dites-moi si ça pourrait être sympa. Voilà. Je voudrais savoir vos avis dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, et de toute façon je ferai une vidéo annonce quand on atteindra les 100 abonnés pour savoir qui voudrait participer à l'open lobby sur PC, etc. Donc, alors là c'est une grotte ça. Enfin une petite grotte, qui sait. Donc là il y a du charbon, on va le ramasser. Je vois vraiment que les épisodes de mon guide de survie à Minecraft vous plaisent. Hein. C'est un guide, mais en même temps, c'est aussi une aventure suivie. Donc, si vous connaissez déjà plein de trucs sur Minecraft, vous pouvez en redécouvrir. Ou bah, vous pouvez juste suivre mon aventure comme ça. Vous n'êtes pas obligé de vous forcer à vous dire « Oh non, il va falloir que d'expliquer parce que j'explique pas autant que ça. Hein. » C'est vraiment une petite aventure assez détente. De toute façon, après cette aventure, je sais pas comment quand elle va se finir, hein, ça je sais vraiment pas. Mais je sais que après cette aventure, j'en ferai une autre beaucoup plus beaucoup plus hardcore, etc. Non, je tape avec ma pelle, intelligent d'ami. Voilà. Alors, on est où là? Ok, j'ai déjà exploré ça, ce qui va. Tiens, alors là, la vache, je vais la tuer, vu que de toute façon, j'en ai plein à côté de chez moi. Donc, je vais pas m'en faire pour une vache tuée. Alors, est-ce que ça continue? Oui, ça continue. Je continue à me faire des torches, voilà. Alors, j'essaie de ramasser un petit peu du charbon par-ci, par-là. Mais après, quand j'en aurai beaucoup du charbon... limite quand j'en verrai j'en prendrai même plein. Pour l'instant j'en prends, mais dans la suite des épisodes nous n'en prendrons plus. C'est vraiment une ressource très utile sur Minecraft. Ah bah ça c'est vraiment sympa, j'avais oublié vu que ça fait un petit moment que j'avais pu retourner. Donc maintenant mon introduction je la mettrai à chaque début de chaque vidéo, vu que je suis pas mal content de ce que j'ai fait. Si vous voulez savoir le temps que j'ai pris environ 5 heures pour la faire. Voilà. C'est assez long, mais j'en suis fier, donc voilà. Alors, j'espère que vous voyez. Hein. Alors, est-ce que ça continue? Non, ça recontinue là-bas après. Tant pis.
Voilà. Donc maintenant je filme avec les logiciels Dxtory, le même logiciel que je filme pour Call of Duty, un très bon logiciel hein, avec une très belle, un très beau rendu hein, avec une très belle qualité. Donc moi je vais essayer de faire peut-être bientôt une série qui va vous faire participer vous, oui mes abonnés, pourquoi pas. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo si ça pourrait vous plaire de participer dans mes vidéos, je sais pas. Ça peut toujours être sympa, hein. Donc voilà. Voilà. On va sortir de cette grotte et on va aller en trouver une autre. Hein. Alors, non, ici ça continue pas, tant pis. Voilà. Alors, on va remonter. On va aller en bas, on tue une autre, hein. Tant pis, hein. C'est pas la mort si j'en tue deux. Alors si ça monte hein, au lieu de descendre. Donc c'est pas bon ça. Alors. Ah mais si ça je m'en rappelle, c'est l'endroit où je m'étais fait agresser. Même j'avais dit que j'allais explorer. Donc vous voyez que les zombies ils brûlent au contact du jour, hein. Donc, on va monter ici. Alors, il y a de l'eau. Donc, moi, ce que je vous conseille, quand il y a de l'eau, vous mettez une torche à la source de l'eau. Et comme ça s'évapore. Pas besoin de mettre un bloc. Vous mettez juste une torche et ça suffit. Donc, moi, ouais, je me suis bien équipé. J'ai pris pas mal de bois pour pas manquer de torches, ce qui est très pratique. Bah en fin de compte, cet épisode c'est pas un épisode où on va faire l'élevage, c'est plutôt un épisode minage, exploration de grottes, exploration minière. Donc voilà, un épisode assez sympa vu que je vous avais proposé. Je vous avais dit que j'allais faire des grottes, donc c'est maintenant qu'on va en faire, en espérant trouver pourquoi pas du diamant, de l'or et du fer, ça pourrait toujours être sympa. Allez, dis-moi que ça descend encore un peu. Ah non, tant pis. J'aurais pu espérer, mais non. Donc, tant pis, on va remonter, hein. Ça pense que des grottes qui n'aboutissent à rien. Ah, ok, deux creepers. Ok, il y en a un qui a explosé, il y en a un que j'ai tué. Alors ici ça continue. Eh ben non, encore une fois. Ils font tout pour pas que j'ai une grotte. Hein. Alors un zombie. Voilà. Alors, est-ce que ça continue ici? Je parie que non. J'en ai mis, t'es sûr? Pas grave, hein, si ça continue à ramasser que du charbon. Non, allez. C'est vraiment un très très beau biome, moi, je trouve, hein, personnellement. Alors pourquoi pas s'installer dans la jungle, hein, qui sait. Un biome désert, pourquoi pas. Et là, pas mal de petites grottes. On va aller explorer tout ça. Donc. Ok, intelligent Dani. Alors, une vache. On va manger les viandes de zombies. Hein. Je sais que ça m'empoisonne, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. Si ça peut me redonner quelques PV, je dis pas non. Hein. Allez, au moins je pourrais trouver du fer, ça serait au moins sympa. Non. Alors. Ok, ça fait un bruit d'une grande caverne, mais y a rien. Non plus. Ok, sympa. Alors.
Ouais bah ouais, ok. Je ne trouverai jamais de grotte qui aboutisse à quelque chose hein, si ça continue. Alors. C'est quoi ça? Ah, c'est étrange. Ah, enfin. Enfin notre premier fer. Enfin pas notre premier de l'aventure, mais le premier d'une grotte. Allez. Toujours plaisir. Ah, voilà. Mais t'es sûr, ça peut pas exister que deux fer. Il y en a minimum 4, voilà. Voilà. Attends, il y a encore un petit peu de charbon. Voilà. Voilà, parfait. Allez, dites-moi que ça continue comme ça dans le prochain épisode. On va un petit peu continuer cette grotte. Si c'est une vraie, bah non, tant pis, hein. J'ai toujours pas de chance, hein. Mais bon. Au moins, on a trouvé du fer. C'est toujours sympa. Pour se faire une épée, au moins, ça serait déjà le minimum. Hein. Et pourquoi pas un début d'armure aussi. Allez, on y go. Ah, il y en avait un là. J'avais même pas vu. Ah, bah, il y en a encore. Eh ben, je savais pas qu'il y en avait autant. Pas dire non en même temps. Hein. Voilà. Bah, merci à tous pour tous vos commentaires que vous me laissez à chaque vidéo. Ça fait vraiment plaisir que ce que je fais, ça vous plaît. Hein. Parce que je voulais pas faire ça pour rien du tout, quoi. Je voulais que ça plaise à un minimum de gens et que ça puisse aussi les aider, pourquoi pas. Si ça peut faire les deux. Bah, moi, je suis content, j'ai envie de vous dire. Oh oh, un creeper. Voilà, 4 coups avec l'épée en pierre et c'est... Oh oui, dites-moi que c'est une vraie grotte. Oui, je pense que c'est une grotte qui va aller loin et que pourra continuer plusieurs épisodes. Mince. Alors. Alors. Voilà. Allez, on est des fous. Bim. Oh, alors lui, headshot. Alors. Ouais, là-bas. J'avais demandé une vraie grotte. Eh ben, j'en ai une. Merci. Ça fait toujours plaisir. Alors. Ah, des champignons. Ah, oh, cool. Ça, c'est parfait. Ah oui, là, je pense que vous voyez rien. Désolé. Je vais vous mettre la luminosité. Voilà. Alors, bah là, ça continue, enfin. Ah bah en tout cas je sais que le prochain épisode ce sera bah une vraie exploration de grottes. Allez. Et ensuite le prochain épisode bah on va remonter sans doute hein. Parce que j'ai pas envie de faire 10 000 épisodes dans une grotte hein. Voilà. Oh yes, encore un champignon. Ah bah hein. C'est la caverne aux champignons maintenant. Bah, je dis pas non. Aïe, Alors lui, il m'a fait sursauter en plus là. Attends, on va enlever cette source d'eau. Voilà. Je suis bien content qu'on m'ait enlevé la limite des 15 minutes, hein, parce que je peux vraiment vous proposer de plus longues vidéos et... C'est toujours sympa. Hein. Ce qu'on m'avait demandé de plus longues vidéos, bah, je n'avais jamais la limite qui m'en empêchait. Bah maintenant, je ne l'ai plus. Donc voilà. Voilà. Alors. Pas mal, pas mal, pas mal tout ça. Alors. Bien content de ça. C'est vraiment une très belle grotte, hein. J'aime bien. Bah, en tout cas, je sais que le prochain épisode, c'est 20 minutes, 20, 25, voilà. Allez, 25 minutes de grotte, le prochain épisode. Allez. On est des fous, nous, on est des fous. Allez. Voilà. En tout cas, là, il y a beaucoup plus d'allées qu'avant, donc c'est sûr que ça va continuer loin.
Bon, le but dans une grotte, c'est toujours de descendre pour arriver à la couche du diamant. Ce que je vous conseille, hein. Et toujours descendre si ça remonte, n'y allez pas de suite, hein. Toujours descendre le plus profond. Alors, un nouveau minerai, c'est la redstone qui permet de faire pas mal de chemin électrique, etc. Heureusement qu'on ne mine pas sous ses pieds comme ça, sinon on tomberait. Heureusement, j'ai envie de dire. Heureusement. Voilà. Alors là, pas mal de lave partout. Ah! De l'or, de l'or. Donc là, c'est un minerai d'or. Hein. Enfin, j'ai envie de vous dire. Donc l'or, ce qui n'est vraiment pas très très résistant, mais qui permet de faire des pommes en or. Ce qui est toujours sympa. Je dis pas non à des pommes en or. Qui, de plus, de redonner des pommes, enfin des pommes, de la barre de faim, elles nous font regagner aussi des cœurs. Ce qui est toujours aussi sympa. On dit pas non. On dit pas non à ça, quoi. C'est toujours sympa. En gros, elles nous font gagner ça plus ça. Voilà. Comme ça, si vous n'avez pas compris, là vous allez comprendre. Hein, si vous n'aviez pas compris ce que j'avais dit. Alors, on va prendre le charbon et après, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais faire une petite base, une petite planque. Et ben, on va s'arrêter après. Hein. Donc. Où je pourrais faire ma planque. Alors là, c'est des petites particules qui tombent, qui nous disent qu'il y a de la lave à proximité. Donc là, je pense que vous voyez rien, mais bon, tant pis. Allez, et puis zut, on l'a fait ici, la vieille base. Alors, je vais faire une torche quand même, pour qu'on voit quelque chose. Alors. Voilà. Donc, on met une torche ici. Allez, on ferme là comme ça. Voilà. Donc, on fait des fours, etc. Des coffres comme ça. Dans le prochain épisode, je laisse tout cuire. Et comme ça, dès qu'on se reprendra, bah, il y aura déjà tout de cuit. Et puis voilà. Donc franchement j'espère que ce quatrième épisode vous aura plu. J'ai vraiment pris du plaisir à le faire. Je me suis bien détendu à faire cette petite aventure parce que moi ça me détend de jouer à Minecraft sans prise de tête. Hein. Donc voilà. J'espère qu'il vous aura plu cet épisode. Vraiment un épisode assez sympathique. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que je dois améliorer comme d'habitude. Hein. Ce que je dois garder. Etc. Moi je veux vraiment m'améliorer pour proposer des vidéos de qualité. Parce que c'est bien pour vous que je fais ça et pour moi en même temps, mais un peu plus pour vous. Donc voilà, moi je vous dis à plus tout le monde, c'était Tuto Dani pour l'épisode 4 de mon guide de survie à Minecraft.